OTEP et Bécane FR, à tous les suiveurs, à tous les amoureux, à tous les followers, tous les étudiants et à toute la grande famille de l'Académie de la culture noire kémétique et du sanctuaire du Théouti, les Pères M. Théouti. Nous nous retrouvons aujourd'hui, ce soir, dans une continuité de nos émissions. Aujourd'hui, nous allons aborder un titre, comme vous pouvez le voir, qui est celui « La lumière dans la nuit ». « La lumière dans la nuit » est une émission proposée par, disons, une idée de Héroux Kanefer Karakoutinecher et présentée par moi-même, Kinké Lawamazulu Koufou Imhotep Atumura, qui je suis le NEB et le SEMTEPI, le NEB de l'Académie de la culture noire et le SEMTEPI du sanctuaire de Théouti. Je vais laisser la parole à notre Héroux Kanefer Karakoutinecher, notre sénète, pour s'introduire. Faire et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous entendent partout là où vous êtes. Alors oui, comme notre Senkoufou Motep Atumra a expliqué, c'est une émission que je voulais partager avec vous parce que c'était une question qu'on se pose toujours. Donc c'est que la lumière dans la nuit et c'est un thème qui est très intéressant et je trouve qu'il est très particulier. Pourquoi? Parce que avec tous les mouvements qu'on a eu, qu'on a vus, qui ont plus ou moins réveillé les masses, sans pour autant parler des mouvements de réveil, comme les églises de réveil, quoi que ce soit. Mais là, je parle plus des mouvements qui ont réveillé les gens, comme il y a beaucoup de mouvements avec des personnes qui ont réveillé les gens par rapport à la politique, par rapport au mouvement de la spiritualité, par rapport au mouvement d'alimentation, par rapport à tous les mouvements que vous pouvez penser, et ainsi aussi le kamétisme, comme revenir chez nos ancêtres, et ainsi de suite. Alors, toutes ces personnes qui ont commencé ces mouvements avaient commencé avec ce qu'on peut voir comme des idées nobles, non? Mais donc, si on suit bien leur carrière, pour beaucoup d'entre eux, alors on trouve des personnes qui, à la fin, y perdent la vue. Donc, si je donne un exemple, c'est que quand on regarde même dans des idées banales, par exemple, comme on voit Naomi Campbell ou encore comme Serena Williams ces jours-ci, ce sont des personnes qui ont eu des très bonnes carrières parce qu'ils ont été innovatifs dans ce qu'ils faisaient ou pour être ce qu'ils étaient aussi. Donc, pour avoir ouvert, je peux dire, la porte pour les autres d'une manière ou d'une autre. Détruit comme Michael Jackson, par exemple. Voilà, comme... Ça, c'est vraiment, je pense que lui, c'est peut-être l'exemple dans tout ça aussi. Ah oui, lui aussi, il a utilisé cette imagination dans ses films de La lumière dans la nuit. Ouais. Alors, pourquoi on parle de ces personnes-là? Ça veut dire des personnes qui ont travaillé très dur pendant leur carrière ou qui ont travaillé très dur pour le développement des autres, y compris le leur aussi. Alors, quand les personnes qu'ils ont aidées ou je peux dire la carrière qu'ils ont développée, il arrive à un bout où la personne va se comporter d'une manière et où tout le monde va dire qu'il se comporte d'une manière qui n'est pas digne du mouvement qu'il a commencé ou qui n'est pas digne de ce que nous on pensait d'elle. Et automatiquement, la personne tombe de notre vue. Donc, on a vu ça avec Naomi Campbell quand elle a jeté le téléphone à une personne. Et c'était comme si, en fait, les gens ne savaient pas avant qu'elle était une personne d'un caractère difficile. Mais tout d'un coup, ce jour-là, son caractère difficile n'était plus, je dirais, plus tolérable, si on peut dire ça comme ça. Alors, cette émission n'est pas pour excuser les caractères, mais c'est plutôt pour nous de comprendre. Parce que je dis toujours que quand on juge les autres, c'est un peu comme si quand on pointe un doigt, on a tous les quatre doigts qui pointent vers nous. Donc, vraiment, c'était pour avoir commencer ce débat-là et discuter et vraiment voir ce qu'on peut apporter. Donc, je suis vraiment contente encore une fois que vous nous avez rejoints aujourd'hui et j'espère que ce débat va vraiment vous intéresser. Doua Necher, Doua Monra, la lumière dans la nuit est dédiée à tous ces grands héros. Comme on dit, si nous pouvons regarder aussi loin, et je me réfère à moi-même comme exemple, j'ai dit, si aujourd'hui je peux regarder si loin, si aujourd'hui dans ma hauteur je peux me lever et voir Kemet, si dans ma hauteur je peux me lever et voir aussi loin comme je suis en même de le faire, c'est parce que j'ai m'élève sur les pieds des géants. Ces géants-là, qui est, ne sont pas à mesure de voir là où moi je suis en train de voir. Mais ça a été grâce à leur
travail, à leur œuvre, à leur présence, ok, que nous avons été en Mésie, parce que généralement, comme disait la Sénette, on est tenté à juger, mais on juge sans pour autant réaliser que si on est en mesure de comprendre ce qu'on est en train de comprendre, c'est pas parce que nous sommes des géants, mais c'est tout simplement parce que nous nous levons, nous sommes debout sur les épaules des géants. Et là, je jette des fleurs, comme on dit, à notre aîné Mike Jackson, et à des gens comme Prince qui sont partis, mais aussi à des héros dans des personnages du calibre politique que nous avons décoré positivement, comme Lumumba et comme Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, bien des géants que nous avons décorés négativement, comme Mobutu, comme Idi Amin Dada. Il y en a beaucoup, ils vont venir, ils vont continuer. Mais ce que nous devons réaliser aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui nous sommes en mesure de voir, de connaître ce que nous connaissons, ce que nous pouvons voir, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des géants, ok, qui sont passés sur le chemin, ils ont bâti le chemin, ils sont debout dans l'obscurité, et nous nous levons sur leurs épaules, nous sommes à mesure. Ils ont fait de manière que notre tête puisse sortir des nuages et voir la lumière qui s'étend à l'horizon. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes debout sur leurs épaules. Et donc, je profite de ce moment pour saluer la mémoire, saluer les esprits de tous ces héros connus et non connus, acceptés et non acceptés, élevé et non élevé, méprisé et non méprisé, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons voir aussi loin. Et donc, dans les mêmes discours, ces discours se relient à la cosmogonie de Khufu. La cosmogonie de Khufu, pour ceux qui l'ont connue, pour ceux qui ne l'ont pas connue, c'est la démarche cosmique du temps, de l'existence, qui veut qu'il y ait une nuit cosmique, qu'il y ait une journée cosmique. Durant la nuit cosmique, cette époque que nous sommes en train d'achever, la conscience noire était endormie. Il était en état de léthargie ou de repos. Et c'était l'époque, c'était l'ère de la domination de la conscience, l'écoderme. Pourquoi? Parce que la conscience, l'écoderme, pour des raisons qui ont trait à la thermodynamique, est en phase avec la nuit cosmique. C'est comme ça, la conscience, l'écoderme, a des attraits prédateurs. Hein? Le prédateur, c'est lui qui va à la chasse, donc il va à la conquête, il va à tout ce qui tombe entre ses mains est utilisé pour des motifs de chasse. L'impérialisme, c'est la chasse, c'est chasser, aller, manger, prendre, détruire tout ce que vous avez. Ce sont des instincts de la nuit. Et pendant cette phase-là, les instincts des rats de la journée cosmique ont été endormis. Et donc, nous avons subi ce que nous avons subi. Ceux qui veulent connaître plus la cosmogonie de Khufu, il y a un des vidéos précédentes qui en parle en long et en profondeur. Ce n'est pas ici le moment pour en retourner. Mais ce que je voulais faire ici à la connexion est que, parmi d'autres, nous, pour faire ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous élever, voir, comprendre ce que nous sommes en train de comprendre, nous devons remercier beaucoup de nos aînés qui ont fait ce travail, mais ceux qui ont dit s'élever dans la nuit. En s'élevant dans la nuit, ils ont dit incorporer des caractéristiques nocturnes en eux. Certains d'entre eux sont devenus jaloux. Certains d'entre eux, généralement, sont tombés amoureux du pouvoir. Hein? Quand ils ont senti le pouvoir, ils n'ont plus voulu les laisser passer. Ils ont voulu les tenir pour eux seulement. Et tous ces éléments-là, tous ces facteurs positifs, négatifs que nous avons vus, ont été tout quand même importants à nous élever. Ils ont constitué les échelles qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. Nous devons avoir beaucoup de reconnaissance au chemin qui a été fait avant nous, sans pour autant toujours être dans la critique, être dans la négation, parce que cela n'honore pas. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette situation, même aujourd'hui,
J'ai parlé dernièrement avec d'autres personnes et avec la CNET. Et on voyait comment, par exemple, beaucoup de nos aînés, qui même dans l'académétisme, okay, que nous voyons aujourd'hui, beaucoup sont critiqués. Okay? Ils sont critiqués, mais quand on critique, on oublie que ce que l'on connaît, c'est parce qu'ils ont osé. Ils sont allés de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire par aller de l'avant? Ils se sont réveillés pendant qu'il était nuit. Quand il était pendant nuit, les forces d'APEP sont plus puissantes, les forces d'IMA sont plus puissantes. Et certains, je ne dis pas tous, certains d'entre eux ont été contaminés. Et cette contamination leur a conduit, leur a porté à faire certaines erreurs. Mais pour autant, nous ne devons pas ignorer cet état de choses. Je ne sais pas si Sénat peut ajouter quelques contributions. Oui, en plus, j'avais vraiment un âgé qui attendait à être relâché ici. Alors, en disant ça, au fait, ça m'a rappelé avec, je pourrais dire, pas un poème, mais c'est plutôt un poème ou une phrase qui me revient tout le temps. Et c'est une phrase qui dit, chaque femme, elle est où elle est grâce à la femme qui était avant elle. Donc, c'est grâce à la femme qui était avant elle qui la porte sous ses épaules. Donc, chaque femme est portée sur les épaules. Donc, si tu regardes en bas, tu verras. Donc c'était Une comme chaîne une infinie. chaîne infinie. C'était une image aussi qui montrait une chaîne infinie jusqu'à ce que la dernière femme, elle était presque, je pourrais dire, elle avait les cheveux blancs et puis il y avait l'autre qui était même, comme on peut dire, pas un vampire, mais c'était plutôt, comment on appelle, un ghost. Un vampire, disons, un fantôme. Un fantôme, Ouais. voilà, un fantôme. C'était comme un fantôme. Donc pour montrer comment il y a une chaîne longue de, pour être ce qu'on est, on doit. En fait, on est ce qu'on est grâce à ceux qui étaient avant nous. Et je pense aussi que c'est par rapport à. Des fois, on juge les personnes par rapport à ce que nous, on a aujourd'hui. Et on juge les. Pas on juge les personnes, mais on veut que les personnes qu'on a puissent être ce que nous, on pense qu'ils sont, sans pour autant investir à vraiment connaître la personne en question. Parce que quand tu regardes. Je donne l'exemple, par exemple, de Naomi Campbell. Naomi Campbell, c'est une personne qui. Une des premières modèles. Un exemple, je donne l'exemple parce que beaucoup vont la connaître. C'est une modèle qui était mélanoderme noire dans une époque où la plupart des modèles, des super modèles étaient blanches. On voit bien, on voit très bien. Alors, elle a dû rencontrer tellement trop de racisme qu'elle n'en parle pas, tellement trop de discrimination et tellement trop de déception en même temps. Et ce qui fait que Absolument. ça brise le caractère de la personne. Mais pour beaucoup de personnes. Néanmoins, pour elle, ça l'a pas brisé. Elle a continué, elle allait jusque où elle devait aller. Alors, elle entre dans un milieu où tous les modèles, les super modèles, ils ont tous une sorte de, je peux dire, une mentalité un peu diva, comme ça. Alors, une mentalité diva. Et certes, tu peux être une personne qui, par exemple, tu sais que c'est toi qui payes le salaire de la personne, mais la personne que tu dois engager, parce que c'est peut-être le meilleur agent ou quoi que ce soit, est raciste. Mais c'est toi qui dois payer le salaire. Donc, c'est une situation qui est difficile pour la personne. Donc, tu te comportes d'une manière qui n'est pas forcément bien. Et ça donne aussi pour beaucoup d'autres célébrités ou encore même des personnalités sportives. Parce qu'on va t'arrêter, on va dire que tu as fait du dopage ou que tu as pris de la drogue ou quoi que ce soit, pendant que toi, tu es conscient que hier soir, vous étiez à quatre. Mais il n'y a que toi qui es arrêté. Tu vois un peu. Et à chaque interview, tu dois prétendre qu'il n'y avait que toi qui faisais la pratique que tu as fait. Tu dois prétendre ça. Et souvent même, il y a peut-être un de tes coéquipiers qui t'a fait entrer dans ce monde-là. Mais tu peux même pas dire c'était qui. Tu peux même pas dire c'était pas quelque chose que toi tu voulais faire. On t'a suggéré de faire ça. Mais tu viens attraper et tu ne sais plus quoi faire. Et c'est comme ça que les personnes deviennent, je peux dire aussi, négatives dans ce sens-là. Parce que après avoir travaillé très dur, après avoir pris les insultes, après avoir pris le travail difficile, parce qu'on sait très bien, faire une chose pour la première fois, c'est le travail le plus difficile au monde. Donc, après avoir été là pendant très longtemps, on se trouve qu'à la fin, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, par exemple. Alors là, c'est aussi pour beaucoup de personnes qui ont fait des recherches innombrables, qui sont allées sur Kemet, qui ont trouvé beaucoup d'informations et qui étaient le travail de leur vie. Il y a certaines personnes qui ont investi toute leur fortune pour faire ce travail-là. Mais ils n'ont pas su en bénéficier. Pourquoi je dis ils n'ont pas su en bénéficier? Ils ont écrit des livres qui n'ont pas été achetés pendant qu'ils étaient en vie. Et quand ils sont morts, tout le monde a acheté leurs livres. Tout le monde les a donné le support. Je cite par exemple Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, les grands Cheikh Anta Diop est mort pauvre. Oui,
dans une petite maison sans ressources. Les chefs, les grands chefs Antiope, les derniers Mésoutépi ou les derniers pharaons, est mort dans une pauvreté absurde. Justement, et je pense que ça, c'est un point qui est très important et un point qu'on doit en réfléchir parce que c'est aussi comme on dit l'adage qui dit tout prophète n'est pas prophète chez soi, par exemple aussi. Parce que ça veut dire que pour beaucoup de personnes, ils étaient prophètes, mais pas prophètes pour leur ère, c'était pour l'ère successive. Donc aussi, d'une manière ou d'une autre, ou encore, c'était des prophètes de l'ère précédente aussi. À la fin, ils se trouvent, on peut dire, très, un peu plus loin. Et à chaque génération, il y a une nouvelle compréhension de ce qu'ils ont fait, des sacrifices qu'ils ont faits et aussi du travail qu'ils ont apporté pour tous. Et ça, je pense, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est vraiment se rendre compte qu'ils ont fait des travaux pour tous, dans le sens où si on bénéficie du travail qu'ils ont fait, on sera plus loin. Mais il y a l'autre part, c'est aussi, pardon, dans le dernier, c'est que des fois, quand on voit aussi, comment je dirais, quand on voit une personne, on identifie des défaillances, des défaillances chez une autre personne, ce sont des défaillances qui sont en nous, qu'on voit chez l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, ça veut dire plutôt que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour être meilleurs. Nous devons supporter la génération suivante, la génération prochaine, pour éviter que ce genre de comportement puisse se refaire encore. What? Toi, Nechel, Saint-Sénat, ce qu'il en sort de cet exposé, c'est que nous devons apprendre en premier lieu à réaliser qu'il ce n'est pas notre place de juger, okay? Et que nous devons plutôt apprendre des erreurs qu'ont fait les autres, sans pour autant, mais en même temps célébrer leur mémoire. Une des choses qui fait beaucoup de mal dans le monde noir est que nous n'avons pas de mémoire parce que nous ne savons pas les célébrer. Ok? Nous avons connu beaucoup de guerres, nous avons connu beaucoup d'histoires, mais il n'y a pas de célébration, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de mémoire, il n'y a absolument rien. Et ceci est un mal, c'est-à-dire nous avons un problème de reconnaissance. Nous sommes devenus tellement morts, okay, que nous voulons manger comme des ventres. Comme vous voyez, quand il y a un zombie ne fait que manger, il ne se soucie absolument pas de rien. Il est dans le moi, 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 moi. C'est un peu ce qui est devenu une partie de nous. Et je le dis pourquoi? Je ne le dis pas en termes d'accusation, je le dis en termes d'études et de réflexion pour que nous apprenions à changer. Pour pouvoir changer d'une chose, il faut la reconnaître en premier lieu. Pour guérir d'une maladie, il faut en premier la reconnaître. Et donc ici, en cette soirée, je proposerai que nous fassions une récollection. Hein? Dans les jours à venir, nous allons produire des CD où nous allons parler, par exemple, de tous nos héros tombés, hein? Parler de Lumumba, parler de... non parler des comme des personnages, comme on nous a été présentés, parce que beaucoup connaissent Lumumba, mais qu'est-ce qu'il était de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait jour pour jour? Peu les connaissent, ok? Beaucoup critiquent Mobutu, mais qu'est-ce qu'il a été de sa vie jour pour jour? Qu'est-ce qu'il faisait jour pour jour? À dire qu'il a volé l'argent, qu'il a détruit les pays, c'est facile, mais comment cela est-il arrivé? Quelles ont été les différentes étapes de sa vie? Ou comment il a évolué? Où est né Idi Amin Dada? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est né tout le monde? Oui, on est là, on chante le mot Sankara, mais de Sankara, que connaissons-nous? De tout ce qui célèbre Sankara, de tout ce qu'ils ont la photo de Sankara sur leur poste, que connaissent-ils de Sankara? Comment il a vécu? Comment il a grandi? Ça, c'est un depth de reconnaissance et un grand manquement que nous avons. Et ce genre de manquement crée des désordres de niveau psychique d'une proportion énorme. Je ne vais pas rentrer dans ces discours-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière, comment on a dit? Lumière dans la nuit. La lumière de la nuit, nous voulons seulement apporter de la lumière et réaliser que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'aînés. Okay. J'ai beaucoup d'aînés qui ont fait qu'aujourd'hui je sois où je suis. Okay. Et je vais citer par exemple Baba Erou Semaj du sanctuaire hein, ou du temple de Ptah à New York. Il y a Mfundishi Jutim. Il y a par exemple Ra Ounefer.
Il y a par exemple Credo Mutua, ça c'est mon maître spirituel, un de mes premiers maîtres spirituels. Il y a par exemple Jean-Philippe Omoutoundé. Jean-Philippe Omoutoundé, c'est un aîné avec, envers lequel j'ai beaucoup d'amour, d'estime et de respect parce que je me souviens que c'est une des personnes que j'ai vues en télévision ou en vidéo et qui m'a servi d'inspiration pour faire les 70% des choses que j'ai fait aujourd'hui. Il y a David Gomez, il y a Gomez, hein, il y a Gomez. N'oublions même pas notre jeune frère Kémi Séba. Okay. Et la liste est longue, la liste est longue. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a Tshwane Kimbazi, qui est aussi un de nous, avec lequel on a marché. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entre nous. Vous devez réaliser qu'avoir, s'être réveillé dans la nuit est quelque chose de pas facile. Ceux qui se réveillent aujourd'hui ont les choses servies au plateau. Hein? Moi, je me souviens encore autour de 1991, quand on parlait des enlèvements extraterrestres, les gens on vous souriait, on vous riait à la face. Je me souviens pendant les, tout ce que les gens lisent aujourd'hui. Et moi, j'ai connu ça pendant 1991, pendant 99, 98, 99. Et dans le monde du Nord, ça n'existait pas. J'étais complètement fou, un débile à parler de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle. Ce qui se passe, il y a eu un coût à payer. Il y a eu un coût à payer. Certains ont pété les plombs. Certains sont devenus un peu plus égoïstes. Certains ont voulu en faire de l'argent. Mais vous devez comprendre que tous ces erreurs, ce sont les différents blocs de ciment, ou disons, les blocs de ciment qui ont fait qu'aujourd'hui, qu'on y ait un grand mur, qu'aujourd'hui, les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui, peuvent se lever sur ces murs et voir directement à des kilomètres. N'oubliez pas, ces murs sur lesquels vous levez est fait des personnes, est fait des travails qu'ont fait des personnes qui, pour certains, nombreux, n'ont pas été à même de voir la lumière pour laquelle ils ont œuvré, travaillé pendant toute leur existence. Je pense que ça c'est l'autre partie qui est difficile parce que quand tu es la lumière pendant la nuit, donc forcément c'est vrai que tu ne vois pas la lumière, c'est toi qui es la lumière pour les autres. Donc c'est un peu comme quand toi tu es la lumière, tu vois l'obscurité. En fait, c'est la personne qui est dans l'obscurité qui te voit, comme la lumière, tu vois. Donc la personne qui est dans l'obscurité, toi tu es une motivation pour eux et eux ils viennent vers toi. Par contre, toi, tu ne te vois pas comme ça. Toi, tu vois l'obscurité. Donc, tu es seul, au fait. Tu es seul de cette manière. Et je pense que dans ça, c'est vraiment. Il y a un qui parle, David Icke parle vraiment bien de ça. Cette période où tu te sens seul, tu penses que tu deviens fou. Parce que tu es, d'une manière ou d'une autre, en avance de ton temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour beaucoup de personnes, le message qu'ils donnent, c'est un message qui est en avance du temps. Et donc, c'est la génération successive qui va bien comprendre le message. Mais aussi, quand l'autre génération vient, un autre problème, c'est qu'eux, ils voient le message, mais eux aussi, ils ont un nouveau monde. Le monde change. Donc, il y a des nouveaux, je pourrais dire, il y a des nouvelles manières de vivre, nouvelles manières de voir les choses. Donc, en voyant ça, par exemple, je donne l'exemple de Michael Jackson. Pour beaucoup, moi, je suis née pratiquement j'ai grandi dans les années 90, donc Michael Jackson était déjà plus ou moins blanc. Donc, les premières vidéos que j'ai vues de lui, il était blanc. Et alors, c'est seulement en parlant avec ma famille qu'on m'a dit que non, il était noir. Alors, moi, je ne croyais pas, parce que ce n'est pas possible qu'une personne puisse être noire et être blanc. Mais après, on m'a expliqué qu'il avait le vitiligo et on m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Et puis, on m'a expliqué toute son histoire et tout ça comme ça. Alors, beaucoup de personnes. Ça, c'était parce que j'avais eu des adultes qui connaissaient l'histoire de Michael Jackson. Par contre, quand j'ai grandi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensaient que non, Michael Jackson, il est devenu blanc parce qu'il voulait être blanc et beaucoup, et patati patata. Mais il y avait un jour où, et puis il y a beaucoup de gens qui disaient que, alors, ils ont vu Michael Jackson, il a demandé pardon pour avoir changé, son esprit a demandé pardon pour avoir changé et tout ça comme ça. Mais un jour, je me suis assise et je suis en train d'écouter la chanson Do You Remember? Et je ne sais pas comment, directement, j'ai eu cette information-là, qu'à un moment donné, quand il chante, bien sûr, c'est pas qu'il est en train de crier, mais il parle avec beaucoup de conviction et beaucoup d'autorité. Alors il dit, mais tu te rappelles pas tout ce temps qu'on a passé ensemble? Et en même temps, derrière lui, il y avait des photos
de l'Égypte ou Kemet antique. Donc, il y avait toutes ces photos-là et tout ce setting-là derrière lui. Et boum, comme ça, là, je me suis rendu compte qu'au fait, qu'il ressemblait à une statue je peux dire, une statue de nos ancêtres, d'où on avait coupé le nez. Donc, sa vie était comme une personnification du fait que l'histoire du mélanoderme a été changée par beaucoup de peuples et transformée en une histoire locoderme. Donc, c'est vraiment ce passage où il y a une histoire qui était une histoire noire qui est devenue une histoire blanche. Donc, on a pris Kemet ou l'Égypte antique qui devient l'Égypte blanche. Aujourd'hui, quand vous regardez les films sur l'Égypte, tout semble blanc, sauf quelques piétés. Et donc, vraiment, c'est symbolique à ce mouvement-là. Je dirais que moi, j'étais capable peut-être de comprendre le message subtil, le message global de sa vie, parce que je pourrais dire, j'étais née pendant que j'ai pas vu comment il était quand il était jeune, donc j'avais pas ce bloc-là. J'avais déjà vu la transformation, donc j'avais la facilité de voir le message complet. Par contre, des gens qui ont eu une attention, comment on appelle, et ils ont eu, les gens qui ont eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'attachements émotionnels avec Michael Jackson quand il a commencé, ont été plus ou moins, non, je ne dirais pas déçus, mais ils ont été, en anglais, on dit disillusioned. Donc, ils ont été en désillusionnement parce que c'était comme si l'image que tu avais comme la personne que tu aimais beaucoup, la personne que tu voyais comme ta star, change. Du coup, tu penses comme si cette personne a fait quelque chose de mauvais contre toi. Par contre, c'est sa démarche spirituelle et ça ne te regarde pas d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que oui, on peut regarder et voir, on peut regarder et voir beaucoup de personnes, de stars et beaucoup, beaucoup de ceux qui sont réveillés pendant la nuit, ceux qui ont commencé à crier réveillez-vous depuis les années 80, les années 70 et tout ça comme ça. On peut regarder toutes ces personnes-là et leur dire que oui, c'était bien, mais ils avaient 5 femmes, ils avaient 15 femmes, ils étaient homosexuels, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça. Mais je pense que les juger, c'est là où nous, on montre d'avoir, je ne sais pas, une manière, je montre comme si c'est nous qui n'avons pas progressé au fait. Parce que c'est vrai que les temps ont changé, mais eux, ils ont fait leur parcours à eux. Mais tout leur parcours a fait de ce qu'ils étaient. Donc quand on accepte une personne, bien sûr, on prend ce qui est positif. Ce qui est négatif, on le met de côté. Oui, absolument. C'est très touchant quand vous regardez, quand on voit un Genghis Khan. Hein? Un Genghis Khan, il est connu pour ce qu'il est connu, mais il n'est pas pour autant pas apprécié par les siens. Okay? Bon, tout le monde connaît les rois des Belges, Léopold, avec tout ce qu'il a fait. Okay? Il n'est pas désapprécié par les autres. Mais allons même jusqu'à Hitler, Adolf Hitler. Écoute, les Allemands ne se mettent pas à insulter Hitler. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont subi contre lui vont peut-être en parler mal, mais ceux qui ont bénéficié n'en parlent même pas. C'est-à-dire, nous devons, de ce côté-là, nous construire encore pour réaliser que quand ton père, quand votre père, il est attrapé. Comme on attrape votre père comme voleur, okay, et qu'on est en train de le taper à la rue, vous venez pas commencer, vous venez pas vous commencer à les taper vous aussi. Vous les défendez, vous les portez à la maison. Il faut apprendre à défendre ce qui est soi. Et dans le monde noir, ça c'est une très grande faiblesse. Nous n'avons pas d'éléments forts. Pourquoi aujourd'hui dans le monde noir, nous n'avons pas des images fortes? Toutes les images fortes que nous avons dans le monde noir, ce sont des images que le monde blanc nous a données. Martin Luther King, Mandela. Hein? Ce sont quelques figures qui nous ont été données et qui nous reconnaissons comme forts. Tous ceux qui ne nous ont pas été donnés, nous ne les connaissons pas. Pourquoi ne les connaissons pas? Parce que nous sommes très empris dans ces mécanismes de dénigrement. On regarde toujours On les cherche mâles. Jésus. Oui, on cherche les mâles, on voit toujours les mâles. Et on vient avec cette théorie pour laquelle tu fais 10 000 choses bien, un tu fais mal, et puis une seule chose faite pas bien de tout ce qui a été fait. Moi, c'est faux, complètement faux. Mais moi, je vous dirais, il suffit seulement d'une allumette pour mettre de la lumière dans une grande salle complètement obscure.
qui suffit d'une seule. Moi, je vous dirais plutôt, je vous inviterai, mes chers saints et sainettes, de changer notre comportement et d'apprendre à nous regarder pour ce que nous sommes capables de faire de mieux. C'est-à-dire, tous les personnages que nous avons chantés, écoute Michael Jackson, moi, je me souviens, il y avait... pendant les années 70, 80, il y avait la famine en Éthiopie. Okay? Pendant que tout le monde avait tourné les dos, Michael Jackson avait fait une série de concerts, on avait tout pris, tout l'argent, on l'a envoyé dans ces pays, à part avoir été un artiste excellent et avoir aidé beaucoup de personnes dans le monde noir en référence. Et c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que nous devons, dire que tout sont bons, mais nous devons apprendre à respecter et à célébrer nos mémoires de toutes les manières. Nous devons avoir le bon cœur, l'intelligence et la supériorité de l'esprit de célébrer ceux qui sont venus avant nous, de célébrer, de reconnaître nos ennemis malgré leurs erreurs. Et avoir du discernement. Et avoir un sens de discernement parce que... comme personne d'entre nous naissant, et qu'un jour nous allons devenir nous aussi des aînés. Et un jour nous allons devenir aussi des anciens, des mémoires. Souvenez-vous, pensez combien vous, chacun, beaucoup d'entre nous, s'y prennent dans leur travail, un travail civilisatoire, un travail de renouement, de revalorisation culturelle. Et puis demain, pour avoir, je ne sais pas moi, fait une chose, tout cela va être mis à la poubelle. Non, pas par les autres, par les gens pour lesquels tu as tant travaillé. Pour les gens pour lesquels tu t'es donné toute ta vie. Et par ici, là, je dis, j'invite à la célébration de nos mémoires. Nous avons une très longue histoire, nous devons apprendre à les connaître, nous devons apprendre à connaître ces personnages qui ont marqué notre vie, notre histoire dans le temps et dans l'espace, et à les célébrer pour leur contribution. Et avant de finir aussi, je vais ajouter que même pendant la nuit, il y a eu certaines de nos aînés qui se sont combattus pour leur image et qui ont vaincu aussi. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, quand on change d'avis par rapport à nos héros ou par rapport aux personnes qui nous aident, c'est pas seulement souvent par rapport à ce que nous avons vu, mais c'est plutôt par rapport à aussi ce que, je dirais, ce que le média portrait, ou encore, je dirais, c'est par rapport à des standards extérieurs à nous. Donc, si le monde courant dit que telle chose n'est pas bonne, et au fait, on ne se rend même pas compte que quand il vient de l'heure, il leur protège. Mais quand il vient des vôtres, on ne vous protège pas. Non, vous ne protégez pas, oui. L'exemple, c'est par exemple Paris Hilton. Elle fait un accident en voiture comme ça, sans problème. Elle part en prison une fois et le matin, dans 3-4 heures après, on l'a fait sortir. Et personne n'en parle. Lindsay Lohan aussi, la même chose. Elle part, elle entre le matin, le soir, on l'a fait sortir. Pendant qu'on a des chanteurs comme DMX qui a apporté beaucoup de collaborations, ils ont apporté beaucoup, pas seulement pour en tant que musique, mais leur image a rapporté beaucoup d'argent pour l'Amérique. Et aussi, ce sont des chanteurs qui ont fait que moi, au Congo, je connaissais l'Amérique aussi. Mais comme ça, on leur emmène en prison. Et dans ce problème-là, on se rend pas compte que cette personne peut avoir des problèmes mentaux dus au fait que ce qu'il est en train de faire, la musique, c'est stressant. Comme dans le cas de Lindsay Lohan, par exemple. Non, mais on met le caractère en prison et puis on détruit sa carrière. Juste comme ça. Alors, pourquoi je parlais des gens qui se sont combattus pendant la nuit et ils ont gagné. On a par exemple Dr. Sebi. Dr. Sebi, quand il est venu avec sa philosophie pour traiter les maladies, il a eu la sagesse en disant que moi, je suis un docteur, mais je ne voulais pas rien avoir avec bien sûr, en parlant de Dr. Sebi, là, je ne cote pas sa vie. Donc, si vous connaissez mieux sa vie, c'est bien. Mais par rapport à ce que moi, j'ai compris de Dr. Sebi, c'est une personne qui il a mis en avant ce qu'il savait parce qu'il a été enseigné par des docteurs de l'Amérique latine. Donc, il a vraiment montré que non, au fait, c'est eux qui m'ont enseigné à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'Amérique du Sud et consorts. Alors, en faisant ce qu'il a fait, il a très bien documenté
toutes les personnes avec qui il a travaillé et les personnes qui ont été guéries par des maladies, par exemple comme le cancer et consorts. Alors, il a été traité par justice plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que ce n'était pas possible qu'il pouvait guérir le cancer. Et quoi, les amis? Il a pu montrer que c'était vrai qu'il avait guéri ces personnes. Donc, il a été emporté à la cour où il pouvait risquer la prison, mais il n'est pas allé en prison parce qu'il s'est défendu. Il s'est défendu. Mais pourquoi il a été capable de se défendre? C'est parce qu'il a eu le support de sa communauté aussi. Il a Absolument. été supporté par sa communauté. Il a eu le support des personnes qui sont revenues vers lui pour lui dire que oui, tu nous as bel et bien aidés. Et donc, à la fin, il a pu montrer aux autres que oui, j'ai pu vous aider. Mais c'est ce qui est étonnant, c'est que dans le monde mélanoderme, dans le monde de Catiopa, donc Kamit, alors on a des personnes qui parlent entre eux dans l'eau. On a des personnes qui parlent entre eux dans l'eau. On a des personnes qui utilisent des herbes, qui utilisent, je dirais, des herbes, des plantes pour guérir les personnes. Mais quand on vient en Occident, c'est comme si toute cette information-là devient du gibberish. Toute cette information-là devient de je ne sais quoi, De qu'on la n'entend plus. bracadabra, Du dit. bracadabra, ça vient de la magie noire, ça vient du marabout, du gringolade, je ne sais pas quoi. Mais on oublie pour autant que ces personnes-là, beaucoup de médecines qu'on utilise, par exemple la quinine, on dit que non, le chercheur, il a trouvé ça. Non, il a trouvé une plante que les gens utilisaient déjà pendant des années, des années, des années. Alors lui, il a pris la plante, il l'a transformée en comprimé. Absolument. Tous les médicaments occidentaux, pour la plupart, ceux qui sont effectifs, parce que les 90% des médicaments produits en Occident sont complètement inefficaces. Pour les 10% qui sont inefficaces, c'est celles, ils vont seulement en Afrique. Ils vont trouver les chamans, les Nganganki ici et autres. On leur demande comment vous guérissez la malaria ou le paludisme ou la fièvre. On leur fait voir l'herbe et ils reprennent, ils ramènent l'herbe en Europe. On met dans le laboratoire, on les fait sous liquide et sous comprimé. Et pendant que chez les Nganganki, si chez les chamans africains, ils vont vous les donner gratuitement. Ici, ça vous coûte l'œil. Et nous, on tombe toujours dans le même panneau. Mais dans l'exemple, par exemple, j'ai pensé à Steven Seagal, qui est un très bon acteur. Okay? Mais Steven Seagal, c'est un acteur qui est aussi connu pour sa violence. Okay? Et si Steven acteur était blanc, était noir, eh bien, il serait sans un rond en prison. Okay? Il serait sans un rond en prison. Nous, aujourd'hui, on a des héros comme des grandes personnalités comme Mike Tyson. Okay? Mike Tyson qui était un héros imbattu. Pendant que dans le monde de boxe, de la boxe, tous sont violents. Tous sont hyper, hyper violents. Les boxeurs blancs, les boxeurs sont beaucoup, très violents. Mais Mike Tyson est celui qui a payé les pots cassés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu personne en mesure de les supporter. Il n'y a eu personne en mesure de dire, OK, ça c'est un de nôtres. J'ai dit cela pour Mike Tyson. J'ai dit, c'est là pour DMX. J'ai dit, c'est là pour Wesley Snipes. Okay? J'ai dit, c'est là pour Michael Jackson. J'ai dit, c'est là pour nombreux, nombreux d'entre nous. Pourquoi? Parce que la communauté noire est dormante. Et nous devons apprendre à nous réveiller. Et ces réveils, je vous assure, commencent par nous, nous reconnectant avec nos anciens, reconnaissant leur place, nous reconnectons avec nos aïeux, nos héros, apprenons leur histoire, apprenons à célébrer leur mémoire. Nous ne sommes pas là pour les juger, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour apprendre d'eux et continuer le travail qu'ils ont entrecommencé. Là où il a été mal fait, on corrige. Là où ça a été bien fait, implémenté. D'une manière ou d'une autre, c'est un changement qui arrive. Donc, vous vous rendez comme de l'inutilité à jeter des sermons sur les autres. Parce que si il a été mal, le travail a été mal fait, il faut modifier. Mais même s'il a été bien fait, il faut ajourner. Et donc, nous allons, moi en tout cas, cette soirée aujourd'hui, là, cette émission, je la dédie à tous nos aînés, à tous nos parents, à tous ces noirs, à tous ces grands noirs, hein, à tous ces grands noirs vivants
et pas vivants, comme Wesley Snipes, comme je disais là, Mike Tyson, et beaucoup, beaucoup, Joe Frazier, Ali Foreman, Mohamed Ali, hein, les grands Mohamed Ali, et le maréchal Mobutu, Idi Amin Dada, Sékou Touré, y a Lumumba, Mandela, tous ces gens-là. Nous devons apprendre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tous sont là à critiquer Mandela. C'est bien. Mais en le critiquant, qu'est-ce que nous apprenons? Rien du tout. Il a commis des erreurs. Mais oui, apprenons de ses erreurs. Parce que si nous apprenons pas de ses erreurs, nous ferons les mêmes erreurs. Et nous serons haïs pour les mêmes erreurs pour lesquelles nous haïssons. Donc, cela vaut pour tout le monde, par Eduardo Santos, pour Savimbi, pour Abiarimana, pour tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Pour Marine Ngouabi. Tous ces gens-là, tous ces héros, dans les biens et dans les mal, sont des personnes sur lesquelles aujourd'hui nous sommes, sur lesquelles, sur les épaules desquelles nous sommes debout aujourd'hui et qui nous nous mettons, nous pouvons voir aussi loin. Et donc, le respect et le sens de conscience nous invitent à reconnaître. Et moi, aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette émission a été assez douce. Je vous rappelle, nous sommes en train de reconstruire Kemet et nous devons commencer par le cœur, hein, de Kemet. Le cœur de Kemet, c'est le cœur de tout un chacun. Nous devons apprendre à devenir des êtres différents. La journée cosmique, le soleil cosmique est en train de s'élever et seuls les cœurs purs pourront y rentrer. Ceux qui n'auront pas les cœurs purs seront consommés par les flammes de l'égoïsme et de la nuit. Je passe la parole à notre Sénette pour notre phase de conclusive. Alors là, je suis vraiment très émue et très contente d'avoir partagé cette émission avec vous parce que pour moi, je pense que c'est vraiment important que nous puissions partager ce qui est de meilleur entre nous. Donc, vraiment de supporter et aussi de nous rappeler que c'est en faisant de notre mieux que nous pouvons nous aider. Et ne pas oublier l'adage africain qui dit le linge sale se lave en famille. Et en n'oubliant pas aussi qu'en Afrique, quand on lavait, on n'utilisait pas des produits chimiques qui détruisent. On utilisait beaucoup d'amour, beaucoup de plantes naturelles et on lavait naturellement. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que n'oublions pas que beaucoup d'entre nous peuvent commencer très bien et finir mal, ou encore commencer très bien, se perdre et tout. Mais tout ça fait partie du chemin du chacun. Donc je ne dis pas il faut être aveugle, mais je dis plutôt que il faut se réveiller et il faut continuer à faire ce qu'on fait chacun d'entre nous là où on se trouve. Et en faisant ça, on ajoute de la lumière. Et peut-être quand toi tu deviens une lumière, la personne qui s'est réveillée pendant la nuit pourra voir une lumière ailleurs et toi tu pourras aussi être le point qui va peut-être les aider ou encore les inspirer aussi. Alors j'aimais vraiment finir avec ça pour dire, nous devons être une inspiration pour nous-mêmes et une inspiration pour chacun. Et ne pas oublier que ceux que nous regardons comme nos héros sont des humains comme nous, sont des mondes comme nous qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc pour avoir un monde meilleur, la meilleure version de cette terre, de Mama Toto, alors nous devons d'abord être la meilleure version de nous-mêmes avant même de demander que les autres puissent l'être. Et aussi accepter que des fois, en acceptant l'autre comme il est, alors on n'est pas aveugle. Parce que quand tu connais là où la force de l'autre commence, là où ça s'arrête, là tu n'es pas aveugle, mais tu es une personne qui aime vraiment. Donc aimer à profit, ça veut dire aimer quand tout va bien, et quand ça pète, on n'aime plus. Donc si on veut vraiment supporter et aimer ceux qui nous ont inspirés, alors il faut vraiment les comprendre et aussi continuer à faire ce que vous voulez faire ensemble ou quoi que ce soit. Mais surtout, il faut continuer à être ce qu'on veut être, la meilleure version de soi. Et d'une manière ou d'une autre, pas seulement espérer que eux ils vont voir et changer. Non, ça, c'est pas ton problème. C'est ça, là, c'est la vie de l'autre. Mais plutôt, c'est de savoir que chacun est en train de suivre son chemin et son chemin aura un sens pour lui une fois. Douaneter. Douaneter, comme Sénèque dit, nous devons nous
prendre l'engagement pour que chacun de nous soit le meilleur de soi-même, pour que chaque jour, quand nous nous levons, nous soyons meilleurs de comme nous sommes allés nous coucher hier soir. Nous ne devons pas rentrer dans la compétitivité des uns des autres. On ne peut pas être meilleur de l'autre. Chacun de nous a une étoile propre. Chacun de nous a une destinée propre. On peut être plus en mesure d'exécuter sa mission par rapport à ce qu'on était hier. Nous pouvons être aujourd'hui meilleurs que nous étions hier. Nous ne pouvons en aucun cas être meilleurs que les autres. Comme j'ai fini, en me retournant encore vers ces héros, vivants et non vivants, à ses ancêtres, et je célèbre leur mémoire en m'adressant dans la langue de nos ancêtres, Ntongala, et en regardant vers eux, je dis Amasu Mpa Mra Sangsu, Mnra Mpa Mra, Aou Kwaoura Manketipa Eroura.